Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un épisode 2 de Euro Truck Simulator 2. Donc on va tout de suite choisir une mission. Ça sera fait. On va faire assez court encore. Alors là, cette fois, je peux faire comme la dernière fois. On a Calais, donc je prends deux Calais. En Belgique, on n'est pas encore allé. Ça allait nickel. Définir c'était. Voilà, on est fini. Hop. Voilà, j'ai toujours le Volvo. J'ai pas joué depuis. Sur le même Volvo. Voilà. On démarre. Et c'est parti. C'est parti pour la route. Alors, hop. Peut-être laisser passer les gens. Tranquillou. Si je prends trop court, ça va faire blaou dans la voiture. Alors, j'espère que cet épisode va vous plaire. Allez, c'est parti. Voilà, on entre là-dedans. Voilà, on va voir c'est quoi alors. Alors, on va livrer un réservoir. 1h40 de route. Donc, ça devrait aller assez vite. Allez, go. Sortir la tête. Et voilà, c'est fait. Se remettre droit. Et c'est parti. Pour des nouvelles aventures sur ETS2. Un jeu que j'affectionne particulièrement. Je trouve bien sympa. Peut-être allumer les feux. Vu que la dernière fois, j'avais avancé le temps exprès pour que ça fasse nuit pour que vous puissiez voir. C'est bon, j'ai le temps passé. Et que ça faisait pas encore trop nuit. Là, t'es t'attendre toi derrière, non? À 311 km à faire. Tranquillou. Moi, je trouve bien sympa ce petit Volvo. Pédale par contre bouge pas. Oh, c'est pas grave. Voilà. Tac. C'est parti.
T'avances toi devant. Non, mais personne. On essence tous les feux, on n'avancera pas très vite. Hein. Go. Waouh. Je fais du 4x4 avec un camion. Alors, on va y aller tranquillou. Avec rond-point à droite. Voilà. Bon, il y a temps de t'arrêter. Accès de vitesse. Aïe. Bon. Je croyais que c'était une voie d'accélération, mais bon. Je prends le deux voies, il n'y a personne à cette heure. Il est bientôt 11h moins 20. Pas très facile de jouer à la manette, mais bon, ça se fait à force, faut avoir l'habitude. On va essayer de se taper le panneau, c'est bon. Allez, maintenant ça va être tranquille, ça va être de l'autoroute. Allez, pédale, pédale, pédale. Et voilà, on est parti sur l'autoroute, on pense qu'elle est à 90, tranquille. Calais et voilà. On reste 270 km, 4h21. Tranquilo avec mon petit Volvo. Et personnellement, j'aime bien le jeu. C'est un métier que j'aurais bien voulu faire, mais je n'ai pas pu à cause qu'ils cherchaient des gens avec de l'expérience, et vu que je venais de passer mon permis, j'avais pas d'expérience, enfin pas assez pour eux. Donc voilà. J'avais juste mon permis poids lourd, mais bon, c'est à peu près la même réglementation, les RSE. Mais bon, en jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec la réalité. En réalité, c'est, je trouve, plus simple qu'en jeu vidéo, limite. Et plus passionnant, surtout.
Ce que j'aimerais bien avec ce let's play en fait, c'est pouvoir vous proposer des sujets à de quoi parler. Mais il faudrait que j'en trouve, que je cherche. Ou que vous m'en proposez dans les commentaires des sujets que vous voulez que je parle ou qu'on débatte ou. Comme ça pourrait me faire avancer, ça changerait un peu. De voir de la route, ça me dérange pas de parler en conduisant du tout. Au contraire. Comme ça m'amènerait quelque chose de nouveau à ce let's play. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissaient ETS2, j'ai pas mis un seul mode en fait. Là, je suis en mode nature en fait, sans mode, sans rien d'origine. Je trouve déjà bien sympa. C'est que je viens de configurer mon PC et que j'avais des modes avant, j'étais obligé de lui changer le disque dur et tout. J'ai perdu ma partie, donc j'ai tout recommencé depuis le début. Du coup, je vous ai épargné juste au tout début pour faire les petites missions de merde pour c'était assez longue avec les camions pourris qu'ils nous donnent au début. Comme ça, je vous ai directement fait voir avec mon camion que je me suis acheté et tout. Ah non, faut que je tourne à gauche là. C'est plus intéressant, je trouve déjà. On va voir ralentir, autrement se taper le mur, enfin le rail. Je suis en train de labourer derrière la classe mi. J'ai moitié dans l'herbe. Voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki. J'espère que la qualité de la vidéo ça vous plaira. Là, je suis en train de capturer en 1080 60 FPS. Donc au maximum quoi. Après, ça dépend comment YouTube il compresse. Déjà que ça met un moment, j'ai mis 24 heures pour la première vidéo à mettre sur le YouTube, sur ma chaîne. Enfin voilà. J'espère que cette petite série vous plaira. N'hésitez pas à me faire des suggestions sur les sujets que vous voulez que je parle ou sur les trajets que vous voulez que je fasse ou les modes que je voulais que je mette dedans. Ça me dérange pas. Niveau carburant, j'en ai assez là. Je suis pratiquement à fond. Ouais, pour ça, enfin, pour vous dire, je tourne tout en élevé en fait, je tourne en ultra pour ce jeu. Ouais, c'est ma nouvelle config. Alors qu'avant, il fallait que je tourne en faible, donc ça me change beaucoup, beaucoup. J'avais des lags même en faible. Sort là. Ça doit peut-être passer à 80. Oui, ça passe. Allez, plus que 11 km. Bon, j'ai prévu de faire à peu près une livraison par vidéo. Si la livraison est pas trop longue, je compte refaire comme ça tout le temps. Je trouve que c'est un bon ouais. C'est une bonne durée pour un épisode, 30 minutes. Après, temps de faire le montage et tout. Ça fait déjà pas mal de boulot.
Mais bon, j'aime bien, ça me plaît. Ah, des travaux. Le ralenti se trouve aussi un radar. J'ai encore me faire choper des points. On va tout droit. Et on continue jusqu'à Liège. Transportant le réservoir. Je vous ferai voir un peu plus du menu parce que la dernière fois je vous ai pas fait voir beaucoup du menu. Ah, l'avion, trop bien. Oui, je vous ferai voir un peu plus ce menu. Je vous expliquerai un peu les ce qui est expliqué dedans, quoi, tout simplement. Comment on peut gérer notre entreprise si on a du personnel, etc. Ah, je sais pas, rouler à 90. Ouais, j'étais à 70 tout le long. Oh là là. Il fait 15 degrés dehors. Ah, ça va, il roule pas trop mal ce camion. Comme à 100 gros c'est ton sol, c'est abusé quand même là. Ce délire. Là ça en fait des pépisoles. Ça donne de ses à coups la manette. Abusé. Ah non, on sort la prochaine, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, ça va, ça serait été court. On pense là qu'il se demande, je suis en train d'enregistrer avec Action de Meris. Et je trouve vraiment ce logiciel excellent. C'est un logiciel payant, bien sûr, mais. Simple d'utilisation. Oh là là. On t'avance toi dedans. Une voiture qui ralentit un camion. Comme on voit, tiens. C'est pas rare ça. Faut pas se rouler sur le zébra. Freine, c'est rouge. En gros, il m'énerve. Ah, ça marche sur le frein. À main, le petit bouton. Allez, on y va. Freine trop qu'on freine, je trouve.
Alors là, ce qui apparaît, c'est pour pouvoir guérir automatiquement, mais bon, ça m'intéresse pas trop, moi. Dans la sens, voilà. Je suis pas top top, mais ça devrait aller. La pire. Voilà. Et voilà. Les succès déverrouillés et l'expérience. Ouais, bientôt niveau 3. Donc voilà, je voulais dire tout à l'heure pour la gestion des entreprises. Donc voilà. Là, on peut suivre pour notre garage. Pour l'instant, on a que le drain, c'est nous. Les profits qu'on fait. En 7 jours, on a fait 18 000, pratiquement 19 000 euros, 6 euros près. Et les journaliers, on fait 6 000 euros. Donc c'est pas mal. Pour la gestion des camions, pour l'instant, j'en ai qu'un. 460 chevaux. Et là, 565 km. Et je rapporte ça par jour. Et tout de suite, on est sur la route. Et après, ça, c'est pour acheter des camions. Alors, bien sûr, je peux acheter les camions dans les endroits que j'ai découverts. Donc, pour l'instant, j'ai découvert Man et Volvo. Bon, je pense que je vais me constituer une flotte de Volvo. Volvo, ma marque préférée. Bon, on va se trouver un hôtel et on va se quitter là. Tout simplement. Rentre la tête dedans, toi. Voilà. Tel, il y en a en face. Quand il est vide, il a une accélération. Par contre, ce camion, enfin, tous, je pense. C'est un garage ça, c'est pas un hôtel. Je peux pas l'acheter encore. Peux me garer derrière ou quoi? Je suis sûr qu'il faut l'acheter pour pouvoir se garer. Pourquoi? Ils sont comme ça. Je vais essayer de voir si Liège est pas loin. Alors, F5. Sur le... bon, on va aller vite fait à l'autoroute. Je vous ferai une vidéo un peu plus longue, c'est pas grave. Personne à gauche. En direction Liège, tout court. C'est pas faire de fail aussi, ce serait pas mal.
Ah, j'ai découvert une agence de recrutement. C'est comme les intérims un peu. Si je ralentis pas, je suis en face à face là. Ah, ça freine bien en sens solo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, je prends un réel plaisir à faire cette vidéo avec vous. Car ce jeu, je l'aime bien, franchement. Bien sympa. Joli en plus. Tout ce qu'il faut. Et voilà. Bon les amis, je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne un bon fin de week-end. Et à la prochaine. Ciao.